C'est Sergent Lessé, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, enfin, oh putain, il était temps, le premier épisode du Camps. Et le premier épisode du Camps, comme vous le savez, j'ai dû m'adapter. Donc là, pour l'instant, nous ne sommes pas partis visiter des villes, ni des villages, ou voir des monuments, ou peu importe. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter mon équipement idéal pour camper. Donc les bases des bases, c'est-à-dire que... Bah, il me faut un équipement pour camper si je veux aller camper quelque part. Je veux pas dormir genre là par terre sur la pelouse, non? Si? Enfin, je vous emmène avec moi? On va rejoindre mon campement? C'est parti, let's go! Allez! Je vais vous emmener en mode vlog. Ah, il faut savoir que vous étiez posé dans un arbre. Alors, je vous emmène aujourd'hui pour pouvoir vous montrer mon équipement. J'espère que voilà, ça vous plaira. Je vais filmer tout ça en mode vlog. Et prochainement, une nouvelle caméra pour pouvoir voir ce que moi je vois en face. Et là, tout de suite, pour l'instant, ce que j'ai en face de moi, c'est un campement. C'est mon campement. Ouais, je l'ai installé juste avant la vidéo. Alors attention, je me bats là un petit peu. Du coup, pour bien commencer. Pour bien commencer. Ah, mais qui voilà. Ma tente. Tout d'abord, une tente. Voilà. Donc ça, c'est... C'est une tente de l'armée que j'ai récupérée il y a longtemps. J'avais acheté ça dans un déstockage militaire. Elle ne m'avait pas coûté si cher que ça. Pour vous donner à peu près le prix, je l'avais payé une quinzaine d'euros. Celle-là, elle n'a qu'une porte et une moustiquaire. On verra ça après. Et j'en ai une deuxième avec une double porte. Ce qui me permet de soit rallonger celle-là ou soit l'installer à côté. Pour pouvoir, quand je pars vraiment plusieurs jours au même endroit, et que je fais que de la marche de journée, donc je peux laisser mes tentes, quand j'ai confiance bien sûr, ça me permet de pouvoir stocker dedans tout ce qui est nourriture, bagages, etc. Et comme ça, celle-là, elle est vraiment consacrée que pour moi dormir. Donc, mais depuis, j'ai investi un peu. Sachant que j'allais faire le camp, parce que je me suis dit, vas-y, il faut que j'investisse. Parce que derrière, en fait, il y avait plein d'équipements que j'avais pas. Jusqu'à maintenant, je partais avec juste une couette et à l'arrache. Voyons tout de suite ce qu'il me faut. C'est parti, on passe à l'intérieur. Alors tout d'abord, je voulais aussi reprendre, c'est que voilà, hier on est à l'intérieur. Je voulais reprendre pourquoi je suis habillé en militaire, tout ça pour en venir voilà justement à Sergent Lessé. Ça m'est, c'est venu comme ça, un petit surnom à force qu'on me voyait tout le temps habillé, surtout en treillis. De temps en temps un peu le haut militaire, mais du coup vu que j'avais pas mal d'équipements, depuis je me suis racheté une petite casquette parce que l'ancienne était un peu fichue. Et vous allez voir que tous les équipements que je vais avoir durant le camp vont être militaires. Parce que voilà, je voulais faire un petit thème, on va dire, pour le camp, et du coup ça sera un thème militaire. Tout d'abord, du coup, pour installer cette tente, bon c'est très basique, quand on la déplie, voilà, elle est à plat. Et il suffit d'installer des sardines. Donc ça c'est une sardine tout simplement pour fixer la tente au sol et pouvoir l'attendre. Vous voyez que c'est pas forcément très bien tendu, mais c'est suffisant pour une nuit. Et c'est vrai que c'est galère à installer quand il y a du vent, de la pluie, ou quand il fait très chaud. On avait pu voir dans le premier épisode c'est pas forcément évident à installer. Je vous remets un petit extrait tout de suite. C'est parti, let's go. Et le deuxième extrait aussi, c'est quand il faisait très chaud, je vais vous remontrer, c'était le tout premier, c'était l'annonce du camps, le voici. Découvrir les plantes, découvrir les animaux, il fait très chaud, il va falloir, il fera très très chaud je pense, et nous irons par tous les temps. Donc voilà, et de deux du coup pour pouvoir le mieux, pour l'instant c'en est pas un militaire mais c'est un basique, c'est un marteau arrache-clou. Donc ici, pour pouvoir déplanter les fiches, les sardines du sol, clac. Et ici, pour pouvoir mieux les planter quand on a un sol un peu plus dur. Et ce qui est mieux, c'est de mettre ça dans un sol un peu plus dur. Voilà. Sinon, après, ma tente se range là-dedans. Donc, c'est une petite housse en tissu qui résiste à l'eau. Il suffit de la renrouler proprement. Et ça nous donne ça. Voilà. En gros, ça nous donne ça. Dedans, là, vous voyez, c'est ma deuxième tente actuelle. Donc voilà, ça, je vous ferai une autre vidéo prochainement. Pour vous montrer comment installer la tente dans les endroits précis. Après, j'ai ce sac de transport. Donc c'est un long sac. Voilà, je vous remontrerai ça après en extérieur. La tente, pour l'instant, je me suis mis à l'intérieur parce que il y a du vent. C'est un peu galère à tourner en extérieur, mais je vous remontrerai un peu en extérieur. En fait, une fois tout rangé, dedans, ce que donne le sac. Et ça, c'est un long sac, un gros sac de transport pour pouvoir mettre mes deux tentes. Et une fois que les deux tentes sont mises dedans, généralement, il n'y a plus beaucoup de place. Troisième petit truc que j'ai actuellement, c'est une cagoule.
pour la nuit, quand on veut aller par exemple en forêt, et être plutôt discret ou qu'il fait un peu plus froid, il suffit de mettre la cagoule. Et puis on peut être discret. Ça nous servira certainement dans une vidéo. Parce que j'ai un bon projet que je vous montrerai pour le camps. C'est que je ne vais pas que aller en ville. On va aller aussi en forêt de temps en temps. Et du coup, de temps en temps, c'est même sûr. Parce qu'à chaque fois qu'on ira visiter une ville, comme vous pouvez le voir, en plus, c'est une galère à mettre la cagoule. Voilà. C'est qu'on ira en forêt la nuit. Et il pourra faire aussi bien froid que de la pluie, etc. Et ça protège vachement du froid. Voilà. On va arrêter les conneries avec ça pour l'instant. Hop. Maintenant. Autre chose que j'ai investi. Alors, moi je vais vous la montrer directement dessus. Une jolie petite gourde pour pouvoir stocker de l'eau. Bon, j'en ai une deuxième qui est métallique, je ne l'ai pas sur moi malheureusement, je l'ai oublié. Vous la verrez dans une prochaine vidéo, c'est que je vous montrerai comment je m'en sers. Donc celle-là sera principalement pour stocker de l'eau parce que celle-ci elle est en plastique. Donc sur le feu elle ne tiendra pas. Donc voilà, celle-ci c'est pour transporter de l'eau. Après, alors, je vous le dis tout de suite. Le sac de couchage, je l'ai même pas encore déballé. Je sais même pas ce que ça va donner, mais un beau sac de couchage militaire. J'espère qu'il sera confortable. Et bien sûr, quelques vêtements. Bon, j'en ai sur moi là actuellement en dessous. Alors, là par exemple, ça va être plus quand il fait froid. Voilà. Et des petits t-shirts militaires. Basiques. Voilà. À l'intérieur, un gros sac militaire, comme vous avez pu le voir. Un gros sac militaire qui va me servir à transporter ma nourriture principalement. La caméra bien sûr, enfin mes caméras parce que j'en ai une qui devrait pas tarder à arriver. Ça c'est un autre petit bijou. Un autre petit bijou. Alors attendez parce que je galère encore un peu avec la boîte. Ça en vrai c'est un truc de malade. C'est une lampe mais elle éclaire de ouf. Si je l'allume je peux vous éblouir quasi la tronche avec. Voyez, regardez. Et alors qu'il fait jour, hein. Et si je dézoome, voilà, vous voyez ça, et hop, je rezoome, vous voyez un peu moins. Ça, de nuit, je l'ai déjà testé, du coup. J'ai déjà été faire des petites sorties de nuit avant qu'ils nous remettent le couvre-feu. Sérieusement, ça marche de ouf. J'ai déjà pu apercevoir des renards, prendre des animaux en photo de nuit. Et c'est juste magique. C'est... waouh. Après, du coup, là, dans ce sac-là, on peut voir qu'il y a... Enfin, dans mon sac, pour moi, transporter ma nourriture et tout ça, voilà, je vais pouvoir stocker dedans. Donc j'aurai un compartiment pour pouvoir mettre mes trousses de secours, etc. Vous voyez, il y a plein de poches. Je cherchais un autre truc, je sais même plus où je l'ai rangé. Alors laissez-moi le temps de le retrouver. Ça fait un petit moment que j'avais pas déballé ces affaires-là. Voilà, un autre truc que j'ai acheté. Alors que je laisserai dans le sac, bien sûr. Voilà, je me suis acheté ça. C'est... Alors attendez, parce que je galère encore un peu avec, tout simplement. C'est tout simplement fourchette, cuillère. Il y a des couteaux sur le côté, comme vous pouvez le savoir. Des couteaux, ça nous servira à manger. Il va falloir que je lui fasse un peu la main. Je l'ai déballé qu'une fois quand je l'ai reçu. Voilà, du coup, j'ai pas encore tout à fait l'habitude. Ah, voilà la cuillère. Il suffit de mettre après la cuillère ici. Voilà, la cuillère. Ah, je l'ai déballé qu'une fois, du coup, c'est vrai que depuis, voilà. Du coup, on testera ça. Du coup, voilà, les principaux équipements. Et vous allez me dire, il en manque. Oui, il en manque. Parce que, alors, j'ai des techniques de comment on peut réchauffer la tente quand il fait froid. Ça, pour l'instant, ça reste encore top secret. Il y a le sac de couchage que je n'ai encore jamais déballé. On le déballera bien sûr. Pas dans cette vidéo. Ah non, pas tout d'un coup, allons les amis. Du coup, je vais le ranger dans le sac. Voilà. En plus, c'est une galère. Donc voilà. Déjà la tente, c'est une galère. À déballer, remballer. Voilà. Voilà. Voilà, le sac est prêt entre guillemets. Voilà, on a notre tente et tout. Alors, comme vous savez, j'ai dû adapter. Petit message de fin avant de vous quitter. Enfin, sur quelques images, bien sûr, à la fin. Avant de vous quitter, j'ai dû adapter le camps. Pour l'instant, on ne pourra pas aller camper tant qu'il y aura le couvre-feu. Je ne peux pas prendre ce risque. Il n'y aura qu'un endroit. Ici, je suis sur un terrain privé qui, entre guillemets, m'est autorisé.
parce que j'ai demandé les autorisations pour pouvoir filmer ici et être ici. Donc ici, si, et je dis bien si, vous me faites plus de 10 j'aime sous cette vidéo, il y aura prochainement une vidéo où je campe ici de nuit. Bon, pas avec cette installation ici, mais une vidéo où c'est que je vous montre une nuit totale avec moi en extérieur ici. Et il faut savoir que dans ce terrain-là, et c'est le terrain où c'est que je suis venu justement de nuit essayer la lampe, ici il y a des renards, des lièvres, des lapins et d'autres animaux. Autour, il y a pratiquement que des champs. Pas loin, il y a une grande route, une autoroute, le TGV qui passe. Et j'en passe. Pas mal. Pas mal. Eh, allez-y, hein. C'est le moment. Là, c'est le moment où je vais vous demander. Allez-y, abonnez-vous si c'est pas encore fait. Lâchez le gros pouce en l'air, surtout pour soutenir. Et du coup, si vous voulez que je passe une nuit en extérieur, allez-y, faites-moi exploser les pouces. Un maximum de pouces au-delà de 10. Bien sûr, je ferai la nuit en extérieur. Moi, ça me fait plaisir, en tout cas, de lancer enfin. Je pense que vous le voyez sur mon visage, c'est un truc de ouf. Je suis en train de me rendre compte en caméra, en tournant là, que c'est juste dingue. Et Et bientôt, du coup, j'ai adapté, bien sûr, déjà. On va quand même aller visiter les villes. Malheureusement, on pourra pas camper dans certaines villes tout de suite. Bientôt, j'espère. On retournera quand même proche de ces villes-là pour pouvoir camper dans le futur. Vous inquiétez pas. On va découvrir des lieux de ouf. C'est de la folie. J'ai déjà vu des images moi-même. Je suis prêt. En tout cas, c'est parti. Je voulais vous montrer aussi vite fait à quel point aujourd'hui je suis habillé. Vous voyez, le petit t-shirt, le petit dessus pour avoir un peu plus chaud parce qu'aujourd'hui il y a du vent quand je tourne. Il faut savoir que vous voyez cette vidéo-là. Ça fait bien 3 mois que je l'ai tournée. Ça caille en extérieur. Bon, j'avais du soleil, mais ça caille. Voilà. Je vous dis à bientôt, bisous. Mais non, pas au revoir, calme-toi. Calme-toi, quelques images de fin, mais en tout cas, moi je vous dis bisous, au revoir.